fait ça. Vous pouvez parler avec lui dans les oreilles. Tout profite de fait ça. À la gloire de Dieu. Et puis, Florence, qui nous a traité dans le thème, c'est moins, c'est où.
Et maintenant, nous avons le privilège, jeudi dimanche, qui marque 19 mars 2023. Nous là encore, nous sommes dans l'église, la foi apostolique, qui est dans Bishopville, dans l'adresse. Et nous là pour nous capables de faire louange, bon Dieu, pour nous adorer nos corps, pour nous capables de clôturer ensemble avec vous, pour que ce thème ça nous a traité pendant la semaine. Moi, je crois qu'avec grâce de Dieu, nous là nous sommes bénis. Et même, nous sentons que grâce bon Dieu couvre nous dans le temps de matin hein, pour nous capables d'adorer lui en esprit et en vérité. Maintenant, nous sommes capables de regarder ensemble avec nous pour nous un chorale qui chantait, qui chita sur le podium le matin. Hein. Et puis l'Assemblée, il y a vraiment un grand nombre pour venir adorer mon Dieu avec la jeunesse qui accompagne nous, les musiciens, qui là ensemble avec nous pour nous faire louer Seigneur à suivre ensemble avec nous avec la même patience. Donc, il y a un privilège ce matin pour nous commencer ce service-là avec l'étude de la parole de Dieu. Donc, il y a un pasteur Lubin Sébien, qui est lui qui va faire l'étude pour nous en français. Et puis, il fait Dave, une réunion dans Genouillo, va faire l'étude pour nous en anglais. On nous suit avec verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu si nous n'avons, si nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous ce qu'il nous a donné, son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père ait envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel qu'il est, tel nous sommes. Aussi dans ce monde, c'est dans cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas fait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit comment peut-il aimer Dieu, et qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parole du Seigneur. 4, verse 12 to 21. No one has seen God at any time. If we love one another, God dwells in us, and his love is perfected in us. We know that we live in him and he in us, because he has given us his spirit. And we have seen and testified that the Father sent the Son to the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God lives in him and he in God. And we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in him. In this way, God's love is perfected in us, so that we may have boldness on the day of judgment. Because as he is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear has to do with punishment. Whoever fears is not perfected in love. Why, baby?
Compter pour Jésus. Quelle que soit circonstance, ça nous voulait faire, nous voulons la vie, nous compter pour Jésus. Amen.